Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle émission de Indis. Je suis aujourd'hui à la place de mon collègue Hani Farag. Aujourd'hui, on est le jeudi 7 novembre 2024. On commence tout de suite avec cette information. Le programme de réforme de l'économie égyptienne cite la quatrième révision sur les rails. Alors, la directrice du Fonds monétaire international, la famille Kristalina Georgieva, a entamé samedi 2 novembre une visite importante au Caire à la tête d'une délégation de hauts responsables de l'institution monétaire internationale. Dimanche, elle a rencontré le président de la République, Abdel Fattah el-Sisi, pour discuter du programme de réforme économique mené par le gouvernement égyptien en coopération avec l'institution internationale. Le chef de l'État a souligné la nécessité de prendre en compte les défis auxquels l'Égypte est confrontée en raison du contexte régional qui a eu un impact significatif sur les ressources en devises et le budget. Je cite, « La priorité pour l'Égypte est de soulager les citoyens qui luttent contre l'inflation et la hausse des prix, poursuivre les efforts pour attirer les investissements et de renforcer le secteur privé afin d'augmenter la croissance », c'est ce qu'a déclaré le président el-Sisi. Le même jour, Mme Georgieva a été reçue par le Premier ministre Dr Moustapha Madbouly qui a tenu une conférence de presse conjointe avec elle en présence du gouverneur de la Banque centrale d'Égypte, BCE, Hassan Abdallah, du ministre des Finances, Ahmad Kouchouk, et de la ministre de la Planification, du Développement et de la Coopération internationale, Rania Al-Mashat. Je cite, la quatrième revue du programme de réforme égyptien avec le FMI commence le 5 novembre et l'équipe de travail de l'institution internationale entame le travail de révision en coopération avec les responsables de la BCE et des ministères concernés. C'est ce qu'a déclaré le Premier ministre plutôt en accueillant la directrice du FMI au siège du Conseil des ministres à la capitale administrative. La quatrième revue, initialement prévue pour la fin de septembre, fait partie d'un accord de prêt signé entre l'Égypte et le FMI en avril pour aider le pays à gérer ses défis économiques. Cet examen doit aboutir au déblocage de 1,2 milliard de dollars de financement du FMI. Et pour plus d'explications sur ce sujet, mesdames et messieurs, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Dr Amr Hamed, qui est expert en économie. Bonjour. Bonjour. Alors premièrement, quels sont les indices de l'économie égyptienne à présent et est-ce qu'ils sont positifs ou négatifs? En général, les indicatifs sont positifs avec, disons, les indicatifs de FMI, et de Fitch et de S&P, Standard & Poor's, ce qui indique que l'économie égyptienne montre des signes encourageants selon plusieurs indicatifs. Pour commencer, ce qui est très important, c'est l'examen par le FMI, le Fonds monétaire international, a noté des progrès significatifs dans l'évaluation de l'économie égyptienne. Numéro 2, c'est l'amélioration de la note de crédit. L'agence Fitch, notamment, a relevé la note de crédit du pays, tandis que S&P, Standard & Poor's, a établi une perspective positive. Troisièmement, c'est l'excédent des avoirs extérieurs nets. Cet excédent a atteint 10,3 milliards de dollars en septembre, soulignant une meilleure performance des réserves financières. Et dernièrement, la croissance économique visée, le FMI aspire à une croissance économique de 5%, reflétant des perspectives de développement stable et durable. Ces signes renforcent la confiance dans la trajectoire économique de l'Égypte. Oui. Au cours de son discours, le président de la République, durant la visite de Mme Kristalina Georgieva,
présidente du FMI. Le président Abdel Fattah al-Sissi a parlé de plusieurs priorités pour le gouvernement égyptien. Il a parlé, premièrement, la priorité pour l'Égypte est de soulager les citoyens qui luttent contre l'inflation et la hausse des prix, également de poursuivre les efforts pour attirer les investissements et également renforcer le secteur privé afin d'augmenter la croissance de l'économie égyptienne. Alors comment voyez-vous ces éléments et leur effet sur l'économie égyptienne? Ce qui est plus important maintenant, c'est comment renforcer cette trajectoire économique positive. Dans cette direction, le gouvernement égyptien peut adopter plusieurs mesures stratégiques pour renforcer la confiance dans l'économie en général, parce que ça, c'est le, disons, le mot de secret pour que n'importe quelle économie. Alors, dans cette direction, numéro un, le gouvernement doit poursuivre les réformes économiques. Ça, c'est très crucial de maintenir et d'approfondir les réformes économiques déjà entreprises. Cela inclut la rationalisation des dépenses publiques, l'amélioration de l'efficacité des services publics et la réduction des subventions non ciblées pour alléger le fardeau fiscal. Numéro 2, c'est le gouvernement doit aller vers la direction de soutenir l'investissement privé. Le gouvernement doit créer un environnement favorable aux investissements locaux et étrangers aussi. Ça, c'est très important, spécialement les investissements étrangers, en simplifiant les procédures administratives, en renforçant la sécurité juridique. Ça aussi, c'est un très important point. Comment renforcer et changer plus ou moins la sécurité juridique et en garantissant la protection des investissements, spécialement avec les lois concernant les banques. Et cela implique également de moderniser les infrastructures telles que les transports et l'énergie. Un autre point aussi, c'est la diversification économique pour réduire sa dépendance aux secteurs traditionnels comme le pétrole et le gaz. L'Égypte peut encourager la diversification dans des secteurs prometteurs comme par exemple les technologies de l'information, le tourisme durable, l'agriculture et la production industrielle. Cela aiderait à créer plus d'opportunités d'emploi et à rendre l'économie plus résiliente. Si vous voulez, on peut ajouter aussi le renforcement de l'industrie locale et aussi investir dans l'éducation et la formation et encourager le PME, je veux dire les petites et moyennes entreprises aussi, et des autres directives pour renforcer cette direction positive. Et si je peux juste ajouter, encourager les exports, que ce soit agroalimentaires ou que ce soit des produits ménagers pour l'export. Allô? Oui, bien sûr, ça doit aider tous ces paramètres, si on va les appliquer, ça va nous prendre vers la direction d'encourager les exportations, bien sûr. Parfait, Dr. Amr Hamed, je tiens à vous remercier de vos explications. Je répète que vous êtes expert en économie. Merci à vous. Et nous enchaînons, chers téléspectateurs, avec cette information. Les réserves internationales nettes de l'Égypte atteignent 46,941 milliards de dollars. Légère hausse de 205 millions en un mois, selon la BCE. Alors, les réserves internationales nettes de l'Égypte ont enregistré une légère hausse atteignant 46,942 milliards de dollars fin octobre 2024 contre 46,737 milliards de dollars fin septembre, d'après un communiqué publié mercredi 6 novembre sur le site officiel de la Banque centrale d'Égypte, la BCE. Les réserves internationales auprès de la BCE, qui sont constituées majoritairement de devises étrangères et de l'or, ont bondi en juin 2024, atteignant 46,126 milliards de dollars
contre 41,057 milliards de dollars en mai et poursuivi leur augmentation jusqu'à octobre. L'Égypte déplore des efforts pour alléger, déploie plutôt des efforts pour alléger la question de la pénurie de dollars par plusieurs démarches. Depuis le dernier rapport publié en octobre 2024, l'Égypte a repris le programme gouvernemental de vente des actifs publics IPO, lancé il y a 2 ans, alors que la 4e revue du Fonds monétaire international FMI avec l'Égypte a commencé le 5 novembre. Et nous enchaînons avec cette information, chers téléspectateurs, vers une meilleure gestion de la dette extérieure. Le cabinet ministériel a approuvé cette semaine un projet de loi visant à reconstituer le comité de gestion de la dette extérieure. Selon le cabinet ministériel, le comité sera présidé par le Premier ministre et sera composé de gouverneurs de la Banque centrale d'Égypte, la BCE, des ministres de la planification, du développement économique et de la coopération internationale, des finances, de l'investissement et du commerce extérieur. Le comité comprendra également un délégué des renseignements et un autre de l'organisme du contrôle administratif. Je cite, le comité est chargé de gérer le dossier de la dette extérieure de manière efficace. L'endettement extérieur annuel sera plafonné et il ne sera pas permis de dépasser le plafond, sauf en cas de besoin urgent et avec l'approbation du Conseil des ministres, lit-on dans un communiqué du cabinet ministériel. Le comité sera également chargé de discuter des solutions visant à combler le déficit du financement en devise et de mettre en place un système de gouvernance rigoureux. Et une note positive pour l'économie égyptienne, l'agence de notation Fitch a relevé la note de crédit de l'Égypte de B- à B pour la première fois depuis l'année 2019. Une décision qui s'explique par la force du financement étranger obtenu par le pays ainsi que par la politique monétaire restrictive adoptée par le pays. Le financement provient primordialement du projet de Ras Al Hikma, comptant 35 milliards de dollars, et de l'Union européenne, comptant 7,4 milliards d'euros, et du FMI, 8 milliards de dollars, et en plus des investissements dans les outils de la dette. Je cite, les réserves en devises étrangères se sont solidifiées et nous sommes confiants que la politique flexible des taux de change sera durable, c'est ce qu'a écrit l'agence Fitch. Elle ajoute que les dangers qui entouraient les finances publiques ont un peu reculé et une baisse notable des services de la dette locale est prévue. En effet, les services de la dette, selon les analystes de Fitch, ont reculé de 5,4% pour passer de 477,5 milliards de livres égyptiennes à 451,9 milliards de livres égyptiennes au premier trimestre de l'année fiscale 2024-2025. Malgré la note de satisfaction, l'agence a clairement dit que la réduction du déficit du compte courant, l'augmentation des réserves de change, la flexibilité continue des taux de change et la consolidation budgétaire sont des améliorations clés susceptibles de conduire à une amélioration de la notation. Et ceci conclut, chers téléspectateurs, notre édition d'aujourd'hui de Indice. Je vous remercie de votre attention et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à la même heure. Au revoir.